nous allons nous focaliser sur deux ou trois titres, chers compatriotes. Comme vous le savez, l'actualité du moment est toujours chaude. Allez, on y va, c'est parti. 17C au peuple congolais. Nous avons marché aujourd'hui pour exprimer haut et fort que le Congo est notre bien à tous. Il n'est pas la propriété privée d'un groupe de privilégiés qui auraient tous le droit de s'accaparer et de jouir impunément de toutes les richesses nationales, d'imposer les lois qui les arrangent, de les appliquer de leur façon qu'ils veulent et par-dessus tout, de condamner le reste de la population au silence et à une misère interminable. Si nous avons été massivement aux urnes, c'était pour obtenir un changement dans la gouvernance de la République. Nous sommes entrés en croisade dès ce jour contre la corruption et l'impunité parce que ces deux fléaux ne cessent de détruire notre société. Seule la justice élève une nation, selon Proverbe 34, verset 14. C'est elle qui consacre l'égalité des chances, qui assure la protection de la propriété privée et collective, qui garantit la concorde nationale et la paix de cœur et des esprits. Par cette grande journée de protestation, le peuple congolais vient de démontrer sa détermination à combattre les antivaleurs sous toutes ses formes, aussi exiger avec insistance ce qui suit. La restitution de 15 millions et 100 millions de dollars subtilisés au trésor public pour une destination inconnue, la sanction des auteurs de ces crimes et la dissolution du comité de suivi des prix produits pétroliers devenu un mécanisme néfaste de détournement de l'argent de l'État. B. La suspension de leurs fonctions à titre conservatoire de toutes les personnes impliquées dans le détournement de cette imposante somme afin de permettre à la justice de faire son travail en toute indépendance. C. La démission de 9 juges constitutionnels qui ont banalisé les résultats électoraux par des validations, des invalidations et des révalidations fantaisistes en violation de la Constitution et des lois de la République, mettant gravement en péril la cohésion nationale. Nous exigeons en outre du gouvernement et du pouvoir public des garanties fermes et des signaux clairs pour que plus jamais aucun citoyen de ce pays, quel que soit son rang, ne puisse toucher impunément la caisse de l'État, s'emparer des biens publics et se croire au-dessus de la loi. Il va de notre avenir, de celui de nos enfants. Cette croisade ne s'arrêtera pas tant que la RDC demeurera le paradis de la corruption, de l'impunité, de l'injustice de toute nature. Aussi, lançons-nous un appel solennel et citoyen à tout Congolais à veiller, à donner, à agir, afin de mettre un terme à ce fléau qui gangrène notre société et hypothèque son avenir. Pour le comité laïque de coordination, province du Nord-Kivu, Jacques Sinzaera. Ouais.
c'est pour tout Congolais, c'est pas pour les riches. Aujourd'hui, c'est la justice qui gangrène la situation de notre pays. Nous disons non à l'impunité, nous disons non à la corruption. Nous voulons vivre un Congo nouveau parce qu'on a voté, on a combattu par le sang de nos martyrs. Liki Kulula, et Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala et tout autre. Ils ont péri pour avoir cette alternance. Nous voulons vivre un Congo nouveau et par ces messages que nous vous remettons, nous accompagnerons ces messages par des actions concrètes si on ne voit pas un Congo avec une justice pour tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est au nom du premier président de la Cour d'appel à Nord-Kivu, Monsieur Mananga, qui est en mission à Kinshasa. Il est parti prendre part, assister. Non pas aux assises, parce que les assises sont en train de partir, mais à la cérémonie de l'entrée judiciaire de la Cour de cassation. C'est en son nom que nous recevons votre déclaration. Mais en son nom également, nous vous disons félicitations. Félicitations parce que vous avez exprimé votre souci et surtout vous l'avez fait dans toute la discipline. Nous n'avons pas appris qu'il y a eu des casques, qu'il y a eu ceci. C'est pourquoi au nom du premier président, nous vous félicitons parce que vous l'avez fait conformément à la constitution, conformément aux lois du pays. Mais nous vous disons que votre déclaration, nous allons la transmettre à qui de droit. Ça ne sera pas, parce que nous ne sommes pas pratiquement les destinataires. Nous ne sommes qu'un canal par lequel vous voulez transmettre votre message. C'est ainsi donc, nous vous rassurons que nous allons transmettre cette déclaration à qui de droit. Donc, mais vous devez savoir que nous sommes, comme vous l'avez soulevé, dans un élan que nous considérons maintenant un élan de la rupture. Faites confiance à la justice parce que nous sommes tous animés par cette volonté de changer les choses. Que la justice puisse travailler et pour cela aussi, la justice a besoin toujours de vous les citoyens pour que la justice soit bien dite et bien rendue. Je vous remercie. Jina yangu kiaki mwa Jacqueline. Tunaona leo kuna marche kwa nini? Niko na marche juu ya rushwa. Na juu ya krize. Na amani. Na ile 15 mio. Na Kilombo anatuima haki yetu. Bali de tourner baka ifanya kope. Haina trace. Tunaomba Kilombo atoke ya demisione, anashindwa kudirije Kongo. Na mnapenda nani chuma ikamati? Tunapenda Fayulu nja tawale, president elimu tulichaguaka. Sasa na mnaenda kuwacha wapi? Tunaenda kuwacha memo kwe tutaiacha kupatia wakubwa. Juwa sikie nini tunatafuta, batuambie haki yetu. Na parile 15 milioni ni ingine tunasema? Ingine anya tunasema, krize inapita. Krina pingi. Masomo anatuahidia vitu venye hatafaa venye kabila epeke kona mutuma anamudirije na hata vifaa vile vyote tunapenda Kilombo atoke juu ameshindwa kudirije inji na haiziweza kudirije juu hatukumchaguaka bali munomaka sekirite sekirite batu wanaisha. Kilombo haiziweza kumaliza sekirite juu haiko president eli hana upendo na haiko vitu venye viko muro yake alikuya iba atamaliza sekirite aye ye peke njo analeta sekirite. Venu soutenir l'activité de CLC
visant à contester l'impunité et la corruption. Nous nous sommes inscrits dans cette logique parce que nous aussi nous nous y opposons. Nous ne voulons pas de la corruption dans notre pays, nous ne voulons pas de l'impunité dans notre pays. Nous aimerions que le président de la République, au lieu de protéger les détourneurs, qu'il puisse les lever de leurs fonctions pour que au moins la justice puisse s'en occuper avec toute indépendance. Parce que trop c'est trop, nous aspirons à un état de droit. Mais avec cette allure, nous ne voulons pas, nous ne savons pas si nous allons aboutir à un état de droit. Nous avons besoin du changement. Nous ne sommes pas des opposants, nous sommes des laïcs. Nous nous inscrivons aussi dans la logique de lutter contre l'impunité. Bien qu'on peut ne pas être catholique, mais l'impunité frise même chez les protestants, l'impunité frise même chez le parti de l'opposition, ainsi que de la majorité. Mais malheureusement, au sein de la majorité présidentielle, il y a un principe qui dit que les loups ne se mangent pas, raison pour laquelle ils ne cessent de se protéger. Mais moi, même sans être opposant, étant citoyen responsable, je dois tout faire pour lutter contre la corruption et l'impunité. Aujourd'hui, vous évoquez encore l'affaire 15 millions qui n'est plus d'actualité. Pardon, l'affaire des 15 millions. Qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Ce n'est plus d'actualité alors que le criminel n'est pas encore puni. Nous aimerions que cette action puisse aboutir, que la personne qui a détourné cet argent soit remise à la justice et que la justice puisse s'y prononcer dans une indépendance la plus totale. Nous voulons des sanctions contre ces détourneurs et contre tous les criminels que la RDC regorge. Alors, aujourd'hui, on dit que c'est une faible mobilisation. Simple mobilisation, faible mobilisation, je ne peux pas dire que c'est une faible mobilisation, d'autant plus que vous-même, vous êtes témoin. Vous voyez la foule qui est derrière nous et à Katindo, il y a d'autres gens qui vont venir pour se joindre à nous afin d'atteindre notre cible, la cour d'appel de Goma. Essayez d'évaluer, même ici, ce n'est pas à dire qu'il y a une faible mobilisation. Les citoyens sont conscients, ils sont en train de manifester. Plus de 2000 personnes qui sont avec nous ici. Et essayez au moins de faire des calculs, après avoir totalisé aussi les gens qui viendront de Katindo, les gens qui viendront de Birere, pour des lampes seulement, plus de 2000 personnes. Alors d'autres contrées. Citoyens, en devoir de tout un Congolais de vivre dignement dans un milieu où la vérité règne. Nous ne pouvons pas tolérer que le Congo soit la capitale de la corruption et de l'impunité. Parce que depuis toute une décennie, plusieurs décennies d'ailleurs, le peuple congolais souffre par suite des individus véreux, sans conscience, versatiles d'ailleurs, qui n'ont aucun souci pour ce peuple qui longtemps meurtri, vit dans la pauvreté, dans une souffrance atroce. Et que des individus se permettent de se donner à des exercices de détournement du fonds du trésor public sans réserve ou sans aucune honte. C'est grave. Et nous, en tant que citoyens, au-delà d'être katumbistes, nous sommes Congolais et nous avons écouté l'appel du CNC. Nous commençons la croisade pour dire non à l'impunité. Le 15 millions n'est qu'une partie de l'impunité, de la corruption. La corruption est en train de prendre l'ampleur la plus grande dans cette République où jadis la population est la plus pauvre. 15 millions qui se volatilisent du caisse du trésor sans pour autant que des enquêtes sérieuses puissent être menées. Alors aujourd'hui, vous demandez toujours les 15 millions pendant que le président s'est déjà prononcé quand passé. Le président s'est prononcé, l'argent de la République n'appartient pas à M. Félix Tshisekedi. Et il s'est prononcé en disant qu'il condamne la rétrocommission. Et la rétrocommission, c'est du vol, ni bouizi. Donc nous disons non à ce mécanisme, à cette méthodologie de faire de tous ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le directeur de cabinet de M. Félix Tshisekedi qui est pointé du doigt. Et demain, ça sera d'autres, si rien ne fait. Et cette justice, nous appelons à faire correctement son travail, sans devoir. Nous avons un pays et les institutions doivent faire exactement leur travail. Le procureur de la République a appelé tout le monde au droit de réserve et que les enquêtes doivent se poursuivre, qu'on nous éclaire là-dessus. La population a besoin de savoir où sont nos 15 millions. C'est ça l'inquiétude. Parce que si nous nous taisons aujourd'hui, demain ça sera 100 millions, ça sera 1 milliard. Et le peuple, où est la part du peuple dans tout ça? Donc M. Félix Tshisekedi n'a pas encouragé cela. Et il n'a pas encouragé cela. Et nous demandons à la justice de faire son travail correctement et dans un bref délai. Ce n'est pas l'occasion, parce que Félix a dit, que nous cassions le dossier sans suite. Il doit avoir de suite, parce que le peuple congolais va être éclairci sur cette somme. Merci.
Et quelles sont les personnalités politiques que vous soupçonnez? Ce n'est pas à moi de soupçonner. Vous êtes informé que moi, que l'inspecteur de finances a fait son travail, il a fait son rapport, et dans le rapport, il y a deux personnes qui sont citées. J'ai dit tantôt les directeurs de cabinet, il y a l'ancien ministre de finances, il y a un autre conseiller à la présidence, il y a plusieurs. Vous n'avez qu'à vous référer au rapport définitif de l'inspecteur de finances. Allez-vous intensifier les actions si cette affaire n'est pas résolue? C'est le début de la croisade. Donc les actions à venir seront plus grandes avec beaucoup d'envergure. Ce n'est que ce que nous disons un carton jaune. Et la suite sera plus grave avec beaucoup d'ampleur parce que le peuple congolais souffre. C'est le peuple qui souffre, le peuple a besoin de changement. Et ce changement viendra dans le sérieux. Nous voulons que le changement vienne. Ce n'est pas de slogan et de personnes ne doivent pas se constituer ou se transformer, eux, en des institutions, de faire ce qu'ils veulent, de gérer la République comme s'ils géraient leur foyer. C'est un pays, c'est un État. Il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des normes, il y a une constitution. Donc c'est ça qui doit nous guider, c'est ça le fondement, c'est ça notre obligation, nous en tant que citoyens, de réclamer que cette pratique-là de corruption, d'impunité doit cesser. Et c'est ça que nous allons faire. Selon la constitution de la RDC, certaines décisions de la Cour sont inattaquables. Vous ne pensez pas qu'il y a certaines conditions que vous avez émises dans votre mémoire qui n'ont pas place? Quelles sont ces décisions qui sont inattaquables? Vous allez parler de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle. Mais vous vous rappellerez qu'il y a, nous avons assisté à une série d'invalidations injustes de députés. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Cour a dit qu'il y avait une erreur matérielle. Il est revenu sur ses décisions. Donc c'est aussi une sorte pour nous d'une jurisprudence, de quelque part. Donc il y a une jurisprudence déjà dans notre République pour dire qu'il peut y avoir des erreurs matérielles et que la Cour peut revenir sur ses décisions. Quel est le message de Moïse du début jusqu'à la fin? Qu'est-ce que vous pouvez insinuer à cette... Nous disons merci à la police qui a encadré la manifestation. C'est d'ailleurs ça qui devrait être son devoir de tous les jours. Ce n'est pas un cadeau, c'est son devoir de le faire. Et nous ne pouvons que l'applaudir. Nous pensons qu'il commence à être petit à petit professionnel parce qu'il y a quelque temps, il ne l'était pas. Peut-être parce qu'il y a un changement de régime. Nous pensons qu'ils vont continuer, ils vont faire correctement leur devoir. C'est ça leur travail. Vous représentez Moïse Katumbi ici en province du Nord Kivu. Est-ce qu'il a eu à vous donner un message quelconque? Le président Moïse Katumbi est du côté du peuple. Il a toujours été du côté du peuple et il demeurera au côté du peuple. Et le vol, le président Moïse Katumbi est l'exemple de la bonne gestion dans ce pays, dans cette république. Moïse Katumbi a un bilan, Moïse Katumbi c'est un exemple. Et jamais, en aucun jamais, il ne pourra soutenir la corruption, l'impunité, le vol. Il est avec le peuple congolais dans cette démarche et jusqu'à la fin. Parce que nous devons instaurer un État où il faut beau vivre, où nos institutions sont en train de fonctionner sur le respect de principes. Voilà, c'est ça la position de l'honorable Moïse Katumbi. Vous avez coûté beaucoup plus sur les 15 millions de dollars. Dites-nous si une fois au moins il arrivait que le président ou soit le dire-cap du chef de l'État quitte innocent dans cette affaire, également avec la transparence des enquêtes. Vous n'aurez pas honte dans les prochains jours de dire encore une fois à la population nous nous sommes trompés des cibles en disant qu'il est en cap du président de la République a volé les 15 millions. Remettre cet argent n'est pas une faveur que Félix ou je sais moi, son collaborateur ou même Vital Kamerhe ou je ne sais moi qui, toute personne qui est impliquée dans ce dossier, fait aux Congolais. C'est un devoir. Et demain, nous allons nous mettre dans la rue. Il n'y a pas seulement la corruption, il y a les tueries ici à Goma. Combien de nuits nous passons sans que un de nous puisse être tué? Combien d'assassinats nous enregistrons dans la République? Combien de groupes armés de rébellion? Les gens sont en train de mourir à Beni, à Butembo, partout ailleurs. Donc ce n'est pas seulement le 15 millions que nous guettons de yeux. Non, il y a autant de problèmes qui gangrènent notre société et c'est ça qui fâche. Merci. Alors, chers compatriotes, au revoir, Boutika Lamalamu, Benobika Lambote, Wandugu Apenzi, Tuna Maliza, Tutaonana, Kesho, Pampangi Amono Yaluzoro, Benobika Lambote, Betuta Malana, Mbasi.
Barabetu Basuibwe. Chalai bip, nitumunan. Chikondo chikwabu ku video, mukwabu. Ana lingo amboshila.